Alors merci d'être venu pour, bah, pour célébrer le printemps avec nous, c'est bien. Hein, c'est une bonne manière de fêter le printemps, c'est aujourd'hui. Et puis, bah, tiens, ce soir on ne fait pas de théâtre. J'ai les moyens de vous faire chanter et je ne vais pas m'en priver. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mourons-moi dans ce temps-là. Accrochez ces villages et les journaux de l'aide, les villages garnis qui nous servaient de nid, ne payaient pas de mine. Les lagons s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. Tous les ponts de Paris, lorsque descend la nuit, toutes sortes de gueux se profilent en cachette et sont heureux de trouver une couchette, hôtel du courant d'air, où l'on ne paye pas cher. Parfum et l'eau, c'est pour rien, mon marquis, sous les ponts de Paris. Oh, Champs-Élysées, tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et on n'a même pas pensé à t'embrasser. Mon épicier l'avait gardé dans son comptoir, le percepteur l'a conservé dans son tiroir. La persilène de l'entrée-poix. Le pharmacien l'a dorloté dans un bocal. L'ex-caporal en parlait à l'ex-général. Car c'était elle, notre idéal. Invités ce soir, et c'est vraiment bon, c'est vraiment très bien, comme à chaque fois d'ailleurs, pardon. Mais le bon s'ouvre. Donc je vous invite à vous lever et à vous approcher. Donc là, il n'y a pas de thème en fait, oui. C'est vraiment la création par rapport à des événements, par rapport à la vie, tout ça qui se font au fur et à mesure. Donc il y a l'écriture, la lecture et la peinture. Merci à tout le monde. Je voudrais préciser, parce qu'il n'a pas voulu le dire, que Patrice Urban va exposer à Rethel bientôt, parce qu'on ne sait pas trop. Patrice, on le connaît à Revin, parce que d'abord il a joué de l'accordéon quand il était petit, c'était un accordéoniste prodige. Et entre-temps, il a fait un peu des choses sur le bois, machin, tout ça, et maintenant il fait de la sculpture. Et c'est vraiment, moi ça m'a beaucoup impressionné, donc je l'avais invité pour le 3 avril, parce que vous savez que le 3 avril c'est le prochain Merle Moqueur. Mais il n'est pas libre. Donc on le retrouvera le 29 mai, et là ben, c'est tout, il aura ses sculptures, tout ça, machin, et il a notamment une robe en bois. Ça, c'est, je trouve ça extraordinaire, moi. C'est... Alors, c'est pas lui qui la mettra, bien sûr. Quoi. Pas exagéré non plus. Donc, il sera là. Et en attendant, il expose à Rethel. Oui, au Printemps des Arts. Donc, à Rethel, à la salle des fêtes. Et c'est du 28 au 4 avril. Voilà. Patrice. On a à cœur quand même de se plier aux coutumes locales, et comme on aime bien qu'il y ait des gens qui chantent avec nous, ben on va faire pareil. Donc Françoise, elle va tirer au sort. J'indique qu'une autre personne. Oui. Oh, c'est bon. Alors c'est bon, tout le monde chante avec nous. Ouais, ils sont d'accord. Alors,
surtout, vous n'oubliez pas votre livret de chansons. Bienvenue, bienvenue, monsieur, dame. Robert, il trouve ça diabolique. Et ça ne désemplit pas de minettes et de bourgeois, de soulards et de soifards qui jactaient lui rit à la barbe, se trémoussaient sans lasse sur un parterre de crasse et danse sur les tables. Dans un boucan de tous les diables, Robert y trouve ça dégueulasse. Chez lui tout est net, sans trace, l'accueil est correct, courtois, sans salam, sans charabia. Alors il comprend pas, il arbore un air béat qui se change en grimace chaque fois qu'il entend dire en face. Ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan, j'arrive, tout de suite j'arrive, avec les caouettes et les olives. La la la, mine de rien, la voilà qui revient, la chansonnette. Elle avait disparu, le pavé de ma rue, c'était tout bête, les refrains de Paris avaient pris le maquis, les forains, l'Orphéon, la chanson de maquis, mais on n'oublie jamais le flonflon qui vous met le cœur en fête. Quand le vieux musicien dans le quartier vient revoir les anciens, faire son métier, le public se souvient. Chaque dimanche on se délasse, ma banlieue, grâce à toi tous les ennuis s'effacent, on devient très fleur bleue, c'est pourquoi j'aime tant ma banlieue, on devient très fleur bleue, mon amour restant dans ma banlieue, je vous le rends. La lune trop pâle caresse l'opale de tes yeux blasés. Princesse de la rue, sois la bienvenue dans mon cœur blessé. Les escaliers de la rue et ta taille fine, j'oublie mon chagrin. Je sens sur tes lèvres une odeur de fièvre, de gorge à nourrir. Et sous ta caresse, je sens une ivresse qui m'anéantit. C'est une tournée le temps des cerises, en fait. Quand nous danserons au temps des cerises, les guets rossignols, les perles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous tremblerons le temps des cerises, sifflera bien mieux cimetières, il n'y a qu'à lire les pierres, ce sont tous de petits saints. Mais où est-ce qu'on les enterre, ceux qui sont méchants, qui faisaient pleurer leur mère, battaient leurs enfants?
les antipathiques, tous les renfrognés, que personne n'a jamais, jamais, jamais regretté. Mais où est-ce qu'on les enterre, les vilains râleurs, les huissiers et les belles-mères et les percepteurs, les grippes sous notoires et les créanciers, que personne n'a jamais, jamais, jamais regretté. À la foire de l'Est, pour deux pommes, une petite taupe, mon père m'avait acheté. À la foire de l'Est, pour deux pommes, une petite taupe, mon père m'avait acheté. À la foire de l'Est, pour deux pommes, une petite taupe, mon père m'avait acheté. À la foire de l'Est, pour deux pommes, une petite taupe, mon père m'avait acheté. À la foire de l'Est. On continue, on lance la chanson, il faut que tout le monde la connaît, un côté refrain. À la foire de l'Est, on attend, pour deux pommes, la maison mille m'en à la foire de l'Est, pour deux pommes, une petite eau, mon père m'avait acheté. À la foire de l'Est, pour deux pommes, une petite eau, mon père m'avait acheté. C'est le rire du Titi qui emporte l'ange, qui saignait les gorgeurs, qui tuait la bête, qui buvait la verse, qui ruinait la flamme, qui brûlait la trique, qui frappait la chienne, qui mordait la chatte, qui mangeait la taupe, qu'à la foire mon père m'avait acheté. À la foire de l'Est, pour deux pommes, une petite taupe mon père m'avait acheté. À la foire de l'Est, pour deux pommes, une petite taupe mon père m'avait acheté. À la foire de l'Est, pour deux pommes, petit tôt, mon père m'avait acheté. Bon, merci beaucoup. Merci à Claude, merci à Fabrice, merci à Fabia de nous avoir invités. On est très contents d'avoir découvert le Merlemoqueur, parce que vous avez dû le constater, ce que défend le Merlemoqueur, on n'était même pas au courant en venant ici, mais ce que défend le Merlemoqueur et ce que nous on défend, c'est en fait la même chose. Et je suis vraiment, vraiment, vraiment content d'être venu ici, dans cette salle-là et à cette occasion-là. Ça nous fait vraiment, vraiment bien plaisir. Hein de l'anis. C'est vrai. Voilà. De l'anis vert. Ouais, voilà. Eh, hey, n'en profite pas, toi. T'as surveillé, hein, derrière. Hein. Vous pouvez y aller, monsieur. Il fait pas le poids à côté de vous. Hein.